Cette vidéo, plus qu'une courte analyse, c'est un rappel de ce qui va se passer et ensuite chacun fera ce qu'il voudra de cette info. Chaque année, Davos en Suisse accueille l'une des réunions les plus importantes au monde, du moins à mon avis. Car les leaders de différents secteurs y participent pour discuter de ce que seront les prochaines années. Ce n'est donc pas une coïncidence si après cet événement, une longue liste d'idées présentées comme utopiques commence lentement à devenir réalité. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de l'un des nombreux sujets débattus cette année. L'excuse X est un nouveau motif pour générer de la confusion et de la distraction dans la société. Mais de quoi parlons-nous? Eh bien, l'excuse X est une maladie, pour le dire de manière plus détendue, dont on ne sait rien parce qu'elle n'existe pas. Et d'après la propre page du forum aujourd'hui mercredi 17, ils vont débattre de la manière de prévenir ce qui n'existe pas. Mais à quel point sont-ils prudents, n'est-ce pas? Il convient de préciser que bien que le terme semble avoir été inventé par Elon Musk, la réalité est qu'il est utilisé depuis un certain temps et que l'organisation à l'origine de sa création est l'organisation mondiale. En théorie, il est utilisé pour décrire un composé capable de se propager à l'échelle mondiale sur un terrain hypothétique. En d'autres termes, il est présenté comme un scénario possible mais non réel. Inutile de dire qu'à ce stade et après tout ce qui s'est passé il y a quelques années, rien de tout cela n'est utopique, mais bien au contraire. À travers ces réunions, ces êtres malveillants ne cherchent qu'à susciter la peur au sein de la société. Rappelez-vous qu'ils utilisent une méthode appelée problème-réaction-solution qui se divise en trois parties. D'abord, ils créent ou manipulent une situation qui génère un problème afin de provoquer une réaction spécifique dans la société. Puis les entités qui ont créé le problème présentent également une solution qu'ils voulaient initialement mettre en œuvre. Ce qui aurait pu être inacceptable sans l'existence d'un problème. Un exemple clair de cela est ce qui s'est passé pendant le confinement. Les gens exigeaient une solution immédiate de la part des dirigeants politiques. Ou du moins, c'est ce que les médias ont essayé de faire croire aux masses. Eh bien, on sait ce qui s'est passé par la suite. À mon avis, il faut être attentif à ce qui se prépare et je vous conseille d'utiliser les médias alternatifs. Et pour rien au monde, ne vous laissez emporter par le discours du jour. Ils veulent nous faire peur, mais il ne faut pas se laisser faire. Il est évident pour tout le monde ce dont l'élite est capable pour réaliser ses plans. Alors continuez à enquêter par vos propres moyens. Si vous avez aimé la vidéo, j'apprécierais que vous partagiez ce contenu, que vous vous abonniez et que vous commentiez ce que vous pensez, je les lirai comme toujours.